En avant, en avant, en avant. Pouf pouf YouTube, pouf pouf comme sûr. Pouf pouf. Les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon serveur live pour nous rejoindre, monsieurasuper.com. Le mode sur le Steam Workshop n'est plus disponible, on passe par Arma 3.5, Fofo ou TS, il y a des supports pour ça. Bref, on est en patrouille gendarmerie en BMW, on vient d'intervenir sur un accident de voie publique. Mais là, c'est bon, tout le monde est parti. Et il y a une nouveauté en police. Donc, on est que deux sur TS, hein. Il n'y a que Kamsur et moi. Mais. Vas-y, je te laisse faire péter. Donc le Ici la jeu. gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. Remets-le juste pour le plaisir. Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. Alors, c'est pas ma voix, c'est pas la voix de Kamsur, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est tout simplement. On est donc sur une version Sial Drop, souvenez-vous. Et sur la version Sial Drop, qui est une version de Tonic, qui est donc la version d'Altis Life modifiée, il y avait un message en allemand qui disait la même chose. Vous savez, dans les voitures de police, il y a un haut-parleur et avec un micro, le gars peut te parler depuis la bagnole. Et ben là, c'est tout simplement ce qui a été mis en place. Alors, ce n'est pas du tout mon idée, hein, c'est eux qui ont fait ça dans leur coin et c'est vachement stylé. C'est Maxime Mesrine, non? C'est pas ça? Nesrine, ouais. Si, c'est ça. Il a enregistré ce message-là que vous avez entendu. Donc, c'est un joueur qui a participé au délire, donc ça fait plaisir. Qui Un a donc gendarme. un gendarme, ouais, qui a enregistré sa voix, qui l'a donné à Qui l'a Canadien. modifié. Et il y a une petite modification pour faire un petit truc sympathique. Et ça donne ça. Ça sert à quoi? Si on est en course-poursuite ou si on veut contrôler quelqu'un, ben on peut mettre ce message. C'est comme si on prenait la radio et qu'on lui disait de couper et tout ça. C'est un truc en plus Ici la du géant. gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. C'est Je stylé. sais pas si c'est Ouais, génial ou drôle. c'est entre le no RP et le drôle, tu vois. Parce que c'est très drôle. Au niveau de la voix, limite tu le vois se concentrer dans sa chambre devant son micro, tu vois. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Mais c'est très cool, ça fait plaisir. C'est sympathique comme délire. Donc du coup, voilà ce qui a été ajouté, ceux qui se demandaient. Donc si jamais vous entendez cette voix, ne cherchez pas, c'est la voiture qui parle. C'est comme dans K2000. Je crois qu'il y a un stop là. C'est ça? Ouais, il Non. y avait un stop, mais il a bien ralenti. Ouais, ok. Et ils ont eu un accident, ils sont chamboulés. Ouais, c'est vrai, ils sont un petit peu perturbés. Donc voilà, la petite voix, le petit bonus, la petite nouveauté en gendarmerie, c'est ça. La voiture qui parle. Limite, quand on dirait que c'est la voiture qui parle, tu sais. La voix qu'ils ont mis. Hop là, communication directe. Bon, perfect. Bon, alors du coup, je vais aller check Interpol. Personne de recherché. Parfait. Ah. Va chercher son argent, je pense. Petite pub McDonald's. Alors, Voilà. on va baisser un petit peu le son. Hop là. Parfait, parfait. Donc du coup, on est parti. Voilà, on va check. On va check les alentours. Qu'est-ce que t'as vu? Rien, mais comme je gère pas très bien le frein encore. Ouais, mais les voitures ont été refaites, donc normalement ça va bien. Là, si mes souvenirs sont Ouais, bons, j'ai vu tu la vas vers dernière vidéo, ça marche bien. l'aéroport, donc limite tourne à gauche. Parce que tout droit, c'est une sorte de cul-de-sac en fait. Enfin, ou alors tu vas au circuit de voiture, tu vois. Hop là, en avant. On va savoir que je connais pas encore très bien la map, hein. Ouais, non, bah, la villa, je la connais, j'ai déjà patrouillé plein de fois, mais c'est les autres villes que je connais pas trop. Ou genre, si tu me dis va à Calamar, faut que je regarde la carte parce que je vais jamais y arriver sinon. Seb, pouf pouf! Bienvenue à ceux qui arrivent, les gens. À quand le bâtiment médic à Kavala? Très bientôt, il y a deux mappeurs qui taffent pour le serveur. Et les deux ont proposé la base médic. Donc les deux projets ont été présentés aux pompiers. Et les pompiers ont voté pour celui qui préférait. Et je sais plus c'est qui d'ailleurs qui a gagné. Enfin bref, donc il y a un nouvel hôpital qui va arriver qui a été fait par un mappeur. Et du coup, celui qui a perdu, on lui a donné une nouvelle mission, c'est de faire la base rebelle. Voilà, qui s'appelle d'ailleurs Jason. Jason, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, donc GG à toi. Il a comme mission de mapper toute l'île là pour faire une chouette base rebelle, en fait. Voilà. Et tout ça, ce sera dispo dans la prochaine version du serveur, qui sera la 4.0.3, qui arrivera. Bah, vous verrez. Voilà. Donc le serveur est toujours en dev et on va changer de version qui est normalement plus stable, plus sympa à modifier et tout ça. Vous verrez,
Ça, quand tout sera disponible. Voilà. Donc, on continue. On continue, on continue. Alors. Ta-ta-ta-ta-ta. Pourquoi sur la map, il y a des maisons avec un skin moderne et pas délabré? Parce que c'est les bâtiments qui sont comme ça, tout simplement. Il y avait... il y a des bâtiments de Daisy, il y a des bâtiments d'Arma 2, il y a des bâtiments d'Arma 3. Et les mappeurs ont fait ça comme ça. Voili voilou. C'est qu'à la base, la map, c'est une map de guerre. Donc, ouais. Tous les bâtiments sont délabrés, un peu comme sur Altis Life. Vraiment, tous les bâtiments sont vraiment... Enfin, c'est la guerre, quoi. On se prend en Irak. Ouais, j'ai fait un petit flash 53, donc c'est cool. C'est étonnant, d'ailleurs. Moto devant, là. Ok, un accident, bon, c'est bon, il y a l'air. Non, il n'y pas. Ok. Et comme elle était un peu vide la map, les mappeurs ont justement rajouté pas mal. Ouais, de... exactement, ouais. Comme ça, ça colle plus au life. Un peu moderne. Ouais. Et à noter qu'on peut rentrer dans 99% des bâtiments. Oula. Donc ça, c'est aussi vachement stylé. On peut rentrer dans quasiment toutes les maisons. On peut monter dans les étages. Soit il n'y a pas de porte, soit il y a des portes qu'on peut ouvrir. Enfin, c'est vachement stylé. Fais le plein si tu veux, mais à mon avis pour le moment c'est cool. Oh non, je suis plein quasiment. Alors, voyons voir. Ah, attention, braquage en cours. Va vers la station, il y a un braquage. Regarde sur ta carte. Je salue Oscar. Oscar Dalphin. Attends, t'approche pas tout de suite. Au cas où il y a les mecs qui sont armés. Attention, il y a un braquage. Ça part derrière. C'est le motard. Je pense que c'est le motard, vas-y. Il y a un gendarmerie. Stoppez votre Oscar Dalphin. On se mettait à la fin. Ouais, c'est pour vous informer qu'on vient d'avoir un message. Il y a un braqueur qui vient de braquer une station service. On est sur, on est à sa poursuite. Il se dirige vers Kavala. C'est une moto rouge. Sans doute armée. Et après, on arrive. Ducati rouge. Ok, c'est bon, c'est suivi. Vas-y, parfait. Remets le petit piou-piou là, le petit B. Petit S'il P. Est en gendarmerie, stoppez votre véhicule. Attention, ça dégénère. Vas-y, de toute façon, il va se planter. Oh la vache! Heureusement que je suis là, les gens, pour regarder la carte. Ça, c'est du travail d'équipe, comme ça. Toi, t'as juste à pas le perdre. Parfait. Oscar pour Alpha, le motard du Ducati rouge s'approche à une vitesse excessive du centre-ville. À vous. On est là, on est derrière vous. Attention. Comment il a fait pour passer le virage? Par contre, tu le tapes pas, hein. Je veux pas de stop hit à la Chuck Norris. Oh là 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 là. C'est dangereux ça. Comment il nous mène? T'es à fond là? Ah bah oui. Ok. Ouh, fais gaffe, faut pas prendre l'autre. Freine. Oh là là, le pilote, le pilote. Le pilote, Ouh. Oh là là, n'importe quoi. Les gens, c'est pour ça que j'aime bien Arma 3 Life. C'est pour ce genre de délire. Arrête. What? Il a fait un salto, non? Oui. N'importe quoi. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, c'est pour ce type d'événement, les gars. On sait pas ce qui va se passer. Il y a une gendarmerie. Je regarde ma carte, et boum, braquage en cours, un motard, on est dessus. Bon, c'est pas dit qu'on arrive à l'attraper, mais on est toujours dessus. Il revient vers eux, je crois que les collègues se sont plantés. Ouais, les collègues sont HS, à mon avis. Bah oui, tout le monde a pas mon talent. Oscar pour Alphin, le motard est sur l'aéroport de Kavala, il fait des ronds, peut-être qu'il repassera vers vous. Le tape pas surtout, hein. Ouh, c'était... Ouais, bien pris, on va essayer de l'intercepter. Ça a tapé. Oh, ça a tapé. On l'a touché. Alors pour info, les motos sur le jeu, c'est des chars d'assaut. Et les voitures, c'est des boîtes d'allumettes. Ouais, on n'est pas sur GTA V, hein. C'est pas voilà. La moto qui tape la voiture. C'est pour ça que quand on conduit en police, ça sert à rien de taper les véhicules parce que c'est n'importe quoi. Et quand c'est des motos, c'est encore pire. Donc là, on peut s'imaginer qu'on a dérapé et qu'on s'est encastré dans un mur, on va plutôt dire ça. Parce que le truc, on tape le moto, on est mort. Le moteur n'a rien, mais à mon avis, il est reparti. Le pied rip. Ouais, les motos, c'est des chars d'assaut, ouais. C'est pour ça qu'il faut surtout pas taper les motos. Bon, le petit rip, y'a pas de pompiers. On va aller voir sur TS s'il y a les petits pompiers. Non, ça sert à rien de... Alors... Il y en a un qui a AFK. Bon, ils doivent être... Ils doivent être cachés. Oh, la tristesse. Ils ont réussi à l'avoir ou pas? Bah non, ils sont en train de regarder notre véhicule.
Oh, ils auraient dû. Ouais, après Et ça. les hôtels, il a pas. Je sais pas, on est mort donc nous on Quoi s'en on fait? fout, tu vois. Donc là, s'il y avait eu Task Force sur le serveur, on n'aurait pas plus parlé. J'aurais été tout seul dans ma bulle et il aurait été tout seul dans sa bulle et il y aurait eu une autre grosse bulle qui regroupe le monde des vivants en fait. Voulez voulu. Patrouille hôtel de Patrouille Oscar. Ah, c'est bon, ça Transmettez. commence à comprendre. On vient de faire une course-poursuite avec un véhicule C'est un peu tard, je trouve, motorisé l'appel de couleur d'hôtel. rouge. On Hein. l'a perdu. La Ouais. patrouille F1 est HS. Vous pouvez prendre votre hélicoptère, passer sur Kavala, voir si vous le retrouvez. C'est un peu tard. Il aurait dû l'appeler dès qu'on était derrière pour pas qu'on le Ouais. perde et on aurait pris moins de risques. Ouais. Il aurait dû l'appeler bah, dès que j'ai dit que on était sur un braquage. Et que la personne a pris la fuite. On était sur un VAM. Un vol à main armée. Bon, Ça c'était marche. bien joué de leur pleuvoir quand même. Le motard et tout ça, c'était cool, toi. On passe à côté, ni vu ni connu. Bonjour et boum. On traque. Bon, je sais pas ce qu'il regarde, mais moi je réapparais, hein. Ouais, non, mais moi aussi, il me reste 2 minutes. Je pense que c'est pour loot le. Les stuffs, tu vois. Ah ouais. C'est pour Bah j'ai déjà ça. spawn moi, pourtant on est mort en même temps. Ouais, mais moi j'ai cliqué sur urgence, du coup ça va me mettre 2 minutes de plus. Ah. Je me suis dit au cas où, tu vois, s'il y a un pompier qui se co, ça peut faire un petit truc RP en plus. Le pompier qui Je suis arrive et déçu, tout j'ai bien ça. géré ma course-poursuite, mais. Ouais, mais le motard il conduisait vachement bien. Ouais, franchement, il assurait. Parce que les motos Putain, sur Arma Ducati qu'il avait, 3. super bien modélisé. Ah, c'est horrible les motos, les gars, sur Arma 3. C'est ce qu'il y a de pire. C'est de la merde à Elle était conduire. vraiment Demande belle, sa type du moto. véhicule qu'il Ouais. cherchait, s'il vous plaît. C'est une moto. Une moto rouge. En plus, il On écoutait n'a pas pas la plus radio. d'informations. Bah si, on avait dit que c'était Une une Ducati Ouais, mais rouge. lui il l'entend pas quand on Ah. parle. Bah si, voilà, il a... Regarde, écoute, il se trompe, c'est sûr. Ouais! Bien sûr, blague. Tristesse. Bon bah, j'arrive, hein. Je trouve que sur Lakeside, les gilets pare-balles Alors? gendarmes étaient plus beaux. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'était un gilet pare-balles plus fin, donc c'était un peu plus veste tactique avec le ceinturon qui faisait office de sac à dos. Ouais. Mais là, ce qui est cool, c'est tu vois, au niveau du sac à dos, on n'a pas l'ombre dégueulasse. Ça, c'est Ah, il y bien avait une cool. ombre? Avant, ouais, avant, on avait l'ombre avant. Ah, tu sais que j'avais jamais percuté, hein. Avant, on avait l'ombre. Moi, si, c'est VMA, vol main armée, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sinon, j'avais dit vol Avama. armée main. C'est Avama. du. Vol à main armée. C'est Avama. du. C'est du verlan. Bon, j'arrive. 5 secondes, t'es où? Que je te rejoigne. Une VMA, c'est autre chose encore. Je sais plus ce que c'est. Ça me dit un truc. VMA, oui, si, si, ça me dit quelque chose. Je Ça me cherchais. dit quelque chose. Je me demande si c'est pas en rapport avec Ça du peint. secourisme ou quelque chose comme ça. Ah non, VMA, c'est la vitesse maximum, l'aréobie. Tu sais, quand tu fais du sport, test VMA en Ah oui, c'est ULSS. ça le VMA C'est test ça, VMA. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, bah ouais, en effet. Bon, ils ont compris, hein. Vas-y, QG gendarmerie ou Kavala? Ouais, je suis à Kavala. Ouais, Kavala, c'est Kavala, mieux, Kavala. comme ça on sera directement dessus. Alors, BMW rouge m'a foncé dedans. Ok. Bonjour! C'est encore moi, je suis mort. Allez, où? On se serre les sous-sous. Vas-y, mets-toi en polo vu qu'il fait beau. Allez. Histoire de faire péter le truc. Donc, vous avez vu, on En plus. essaye de s'habiller de la même Pas trop façon. tard pour patrouiller Oscar. En plus. Ah bah, uniforme mobile. Hein. Transmettez hôtel. Ouais, rien à signaler sur Kavala. Je vais essayer de tourner J'ai aux alentours, voir si je retrouverai mon pas le petit véhicule. képi, une Ok, petite bien fait. lunette d'aviateur. Limite, je pourrais Eh, jarter si les tu restes autres. comme ça, sans armes ni rien, tu peux aller mettre des contraventions sur la voie publique. Ah ouais? Boum. Boum. Bon, du coup, non. Boum. Alors, je prends le taser. Ah, de même! Hop là, le petit taser. Trousse à outils. Trousse médicale. Une petite ACOG. C'est quoi comme Faut que je arme que prenne un tu taser m'avais quand même. conseillé? La CZB1. CZB1. CZ085 Bren Ok, j'ai B1. vu. La B1, pas la A1. Pas le même calibre. La B1, c'est ça? Ouais. Pourquoi il y a la Disponible en A1 Adjoint. aussi qui est dispo? La A1 en gendarme, mais qui est du 556. Ah ok, non, moi j'ai la B1. C'est bon. J'ai 9 chargeurs, bon c'est largement suffisant. On va voir si elle est compatible.
Parfait, elle prend les accessoires du jeu de base. Oh, il est magnifique ce petit viseur là. Est-ce qu'il y a un écran de sûreté dessus? Non, il n'y a pas le écran de sûreté. Ouais, joli. Le petit ACOG là? Il est joli, joli ou joli. Marché. Alors, on est parti. Je prends 3 cafés, 3 beignets. Ah, les donuts ont été renommés en beignets d'ailleurs. 3 Hertz. Et barrage. Barrage, 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 barrage. Ok, on est gauche, je te ressors ta BMW. On se mettait hôtel. Tu veux une BMW? J'ai un véhicule qui fait du rodéo. Allez. Sur la piste. Ouais, mais c'est sur une piste, sur c'est cool. Un véhicule rouge, j'ai pas pu identifier, je vais essayer d'y retourner. Bon, après, donc nous on est mouru, mais on peut toujours faire ça. Oscar d'Alphin. Ah, oui. On se mettait Alphin. Prise de patrouille d'Alphin, on aimerait un petit briefing sur la situation pour notre patrouille de cet après-midi, effectif 1 plus 1. Voilà, comme ça, s'il nous parle de la moto, ouais, bon, on s'en fout, marche, on peut prendre la moto. On va remplacer une patrouille malheureusement défunte, on vient de perdre un véhicule motorisé de couleur rouge qui venait de braquer un individu, on est toujours à sa recherche. Voilà, donc du coup, on reprend le délire. Ok, c'est reçu, donc on recherche une moto rouge pour un vol à marmé, c'est ça? Affirmatif, il est sur internet. Voilà, on va laisser peser, tu vois. Donc, on cherche une moto rouge, c'est celle qui nous a tués. Mais, c'est pas celle qui nous a tués. C'est celle qui est recherchée cet après-midi, comprenez-vous. Du coup, c'est cool. Ah, il y a un mec sur Interpol. Braquage, Vito Malinowski. Bon, bah voilà, on sait c'est qui c'est. L'individu en BMW rouge. Je vais prévenir les autres, histoire qu'ils y pensent. Oscar d'Alphin. Transmet Alphin. Pour info, j'ai check Interpol, il y aurait un certain Vito Malinowski qui aurait été vu sur le... qui aurait été reconnu sur les caméras lors du braquage de la Superette, donc c'est peut-être lui le motard qui est recherché. Ouais, logiquement ça devrait être... Voilà, on va laisser peser. On a des outils en police assez puissants. Indique comme sûr. On a des outils en police assez puissants quand même. Du coup, on va aller voir l'Alpha si on a besoin d'aide avec le rodéo. Bah ils sont déjà... Il y a un hélico plus une bagnole, mais à la limite... Moi je serais tôt, on cherchera plutôt la moto, non? Ouais. Histoire de chercher la moto qui a tué les collègues. Enfin qui a tué. Disons que... Qui a fait un braquage plutôt. Ils ont pas eu de chance, voilà. Ouais. Il y a pas eu de meurtre. Voilà, ouais. C'est plutôt un braquage, aller rechercher pour ça. C'est un drame, il y a eu un drame. Enfin aller rechercher pour braquage, excès de vitesse. Refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, et puis après tu peux. tu peux aller vite. Tu peux même peut-être faire passer l'homicide involontaire. Ouais. Patrouille enfin bref. Pour patrouille... De patrouille hôtel pour patrouille Oscar. C'est de la prison à vie là qui sont. Transmettez hôtel. A mon avis, il sort de la ville, je pense qu'il a dû se barrer là. Malinowski à la sortie de Kavala au niveau du stop pour aller au champ de pêche. Vas-y, champ de pêche. Je n'ai plus le véhicule en vue. Je l'ai perdu. D'accord. Descends vers le sud, une tu Clio... sais. Clio RS bleu, je répète, une Clio RS bleu, elle retourne dans le Kavala. Attends. Patrouille Alpha, patrouille. C'était Oscar. De l'autre côté, Cam. D'autre côté. Une RS bleu. Dis-leur que c'est reçu, c'est pris en direct. Hein. Ouais. Attends. Oula. D5 des familles. Oscar pour Alpha, il se passe quoi? Elle arrive sur vous. La patrouille qui arrive au stop, elle arrive sur vous. Allez là. Bon. Alpha a essayé d'intercepter une Clio bleue. C'est à la base, c'est à Oscar. Au nom de Vito Malinowski. Ok, c'est bon, on est derrière. J'ai fait un test plaque, c'est bien la personne qui est devant. Refus d'obtempérer, on est derrière. Clio RS bleu, direction de fuite. Kavala, magasin de vêtements, magasin de plongée. Allez, on meurt pas cette fois-ci. Ici la gendarmerie. Stoppez votre véhicule immédiatement. La voie, elle est magnifique en plus. Magnifique la voie, les gars. Elle est superbe. Attention. On essaie que les collègues mettent un barrage. Ils sont morts ou pas là, Pitbull et. Qu'est-ce qu'ils font? Pitbull. Non, mais moi d'ici, je vois. Tu sais, il y a les deux noms l'un sur l'autre. Bah écoute, tu suis tranquillou. Dès que ça se plante, on tase. Sauf que j'ai pas le taser de sortie, donc ça va piquer. Moi non plus, mais bon, si le mec. Il est attention, là, attention. Ok, moi je me prépare à sortir dès que je peux, hein. Ça marche? Ouais, peut-être pas parce que faut qu'on l'ait immobilisé avant de sortir. Ouais, non, mais dès que je sens que mes. C'est la gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. C'est terrible.
Ici la gendarmerie. Stoppez votre véhicule immédiatement. Magnifique. Ouh, la D5. Tu dois 4X, vous pourrez partir en Alpha 2. Des familles. Attention, ça va tout droit. Ça grille le stop. Bah ouais, mais nous on avait gyrophare, le code de la route n'a plus les plus à respecter. Non mais je pensais qu'il allait tourner, tu vois. Au point où il en est, il s'en bat les couilles du stop. Par contre, il a rangé la moto, tu vois. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gens. Dans course-poursuite. On essaye de faire respecter la loi. Alors, gauche ou droite? Attention, gauche. Ok. Ici, un gendarme. Fait cul-de-sac, 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 cul-de-sac. Ok. Oscar pour Alpha, on est toujours au cul de la RS. On est à Manteria, dans le sud. Elle est bloquée. Elle revient, elle revient, elle revient. Ok, bien prêt. Normalement, s'ils sont derrière... Merde, y'a personne. On va laisser tomber, on est tout seul. Hôtel d'Alpha, est-ce qu'il serait possible que tu suives la RS si jamais on la perd? Affirmatif, hein. Voilà, cool. Reste derrière, je pense, hein. Faut pas essayer de taper, on va encore mourir bêtement. Ah, j'essaye pas de taper, hein. On va essayer... On va essayer de faire un petit barrage des familles. Je sais pas ce qu'il fait, Oscar, là. Allez, va vite, hein. Oscar d'Alpha, vous faites quoi? Stoppez votre véhicule immédiatement. Oh, j'ai eu le mode qui s'est lancé. On est en train de verbaliser un individu qui... Vas-y, vas-y, gauche, 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 gauche. Parfait, il est là, il est là. Tu sais que j'ai rien cassé. Ouais, je crois. On a eu du bol. Attention, les petits arbres. Oh non. C'est des petits arbres de rien du tout. Mais oui, c'est les pires. Oh la merde. Oscar d'Alpha, on a eu un accident. Mon collègue est gravement blessé. On a perdu la voiture. Direction de la voiture, le sud de l'île, en direction du concessionnaire de camions Vendor Batopolis est suivi. Ah, oh, je suis désolé, hein. Et il est où, mon hélico, là? Oscar d'Alpha. Attends, je me heal. Mec, il me reste 11 points de vie. On se mettait Alpha. Ouais, vous... C'est suivi ou pas? En négatif, vous pouvez répéter votre message, s'il vous plaît. Donc, on a eu un accident. Mon collègue est gravement blessé. Direction de fuite de la Clio bleue RS, concessionnaire camion, vendeur bateau. Faudrait hôtel dessus, si hôtel est toujours là. En négatif, hôtel est parti en patrouille. On va se diriger au concessionnaire. Ah, mais... Attends, on a plus d'hôtel, comme par hasard. Oh, la ripense. La ripense, la ripense. Sortir personne. Putain, moi j'aurais été Oscar, j'aurais laissé hôtel sur une course-poursuite, c'était super. C'était ce qu'il fallait faire. Ouais, dommage, bah on peut pas gagner à tous les coups, hein. Mais moi j'aurais laissé hôtel. Ah non, on gagne pas souvent là, par contre. J'aurais laissé hôtel, moi, tu vois. Parce que sur une course-poursuite comme ça, tu déshabilles pas Jean pour habiller Pierre. Putain, ouais, si les petits arbres c'est les pires, hein. Tu sais que limite tu peux te prendre un gros arbre, ça peut passer. Mais t'as vu le mur que je me suis pris juste avant? Je me suis pris un mur, j'ai rien eu. Petits excès, ouais, t'as eu du bol. Bah, je vais attendre que tu respawn et puis je vais te delete ton body. Bon, bah, du coup, rip. Tu peux demander à ce qu'un véhicule vienne te chercher et te mettre au. Attends, bah, y'a quelqu'un qui est là. Je rapparais à Oussaka. Vas-y, bonjour monsieur. Le gars il s'est garé à côté de moi. Bizarre. Je vais prendre mon taser du coup. Vas-y, bon bah je délète la tuture. Bah sinon tu peux venir me rechercher ou pas? Ou sinon je la répare, puis j'arrive. On va plutôt faire ça, je vais la réparer. Je la répare avec mes petites mimines. Bah je suis à côté de toi, Sponakavala, je vais venir te chercher. Ouais, j'ai spawn à cabane. Ah, c'est dommage, les gens. Putain, deux fois, je suis désolé, je suis en train de tout foirer. Parce qu'avec hôtel, mais il y avait moyen. Je comprends pas qu'il ait enlevé hôtel. Je ne comprends pas ce choix stratégique, mais bon. C'est pas moi qui décide. Ouais, non, on a plus hôtel, ouais. C'est vrai, on va dormir où s'il y a plus d'hôtel Blagounette, voilà, là. Bah, au motel ou chez moi, chez Jawad. Tu dors chez Jawad, il y a beaucoup de place. Oh là. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que j'entends. Bon, vas-y, j'arrive, j'ai réparé la tuture. Ah ouais, faudrait peut-être que je me rééquipe, moi. Allez, j'arrive, à tout de suite. Oh, la ripense, les gens, la ripense. Bon,
Du coup, bon, on retourne chercher les collègues. Bon, là, il y a de l'action, il y a du sang, il y a des morts. Attention. Hein. Attention, ouais, attention. Watch! Oh, t'en as un, mec! Un de ces carnages! De patrouiller Alpha 2 pour patrouiller SK. Vas-y, je viens te chercher, on reviendra ici après. Prise de service, donc effectif de personnes, Megane RS, sport, sorti. On prend le message radio de tout à l'heure. Vas-y, j'arrive. Qui est en course poursuite. Oh, laisse tomber. Vas-y, je vais signaler. Bien pris, dirigez-vous au niveau du concessionnaire de camion. Oscar, pour Alpha 1, il y a un accident de la route au niveau du stop à la sortie de Kavala où il faut tourner à droite. Ouais, on est dessus, ça marche. De patrouille Alpha 2 pour patrouille Oscar. On se met à Alpha 2. La Ford GT qui vient de passer à côté de vous en bleu. Matriculé à Hugo Malinowski, à Mike Malinowski, et ses vitesses supérieures à 100 km/h, 141 km/h. Oh putain, 145 km/h, t'as entendu? Occupez-vous-en, si vous le perdez, je te laisse sur Interpol. Vas-y, t'as des RC et tout, parce que là, ça va être utile, à mon avis. Ah non. Ça va être utile, je pense. Moi, j'ai 3 RC et 7 barrages. Je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Donc, voyez, on peut braquer les stations-service. Ça, c'est bien cool. Ça m'a un message cool, sur la carte. Et par chance, bah, j'ai regardé et j'étais à côté. Donc, on a eu du bol. Et pareil, pour se faire de l'argent, bah, c'est parfait. Après, les gens ne le savent pas qu'ils peuvent braquer. Mais voilà. Pour les vilains, c'est possible. Je retourne conducteur, t'es sûr? Ouais, bah ouais. Le petit arbre, ça aurait... Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. Hein. Ah, tu vois, je pensais pas que ça m'aurait tué déjà. Si, faut toujours rester sur la route parce que c'est de la merde ce qui est en dehors. Bon, fais gaffe, on est toujours à la recherche donc de la Mégane, parce que moi je suis pas mort. Et en plus de ça, il y a excès de vitesse et tout ça, et ça papillonne à fond. Plus un trafic d'organes et tout ça, mon dieu, le carnage. Patrouille FAD pour patrouille Oscar. On se met Alpha 2. Regarde l'accident là. T'as vu la voiture? On a perdu un individu. Comment c'est possible? Bien pris, ajoutez le plus sur Interpol. Comment c'est possible? Alors, je suis coincé sur une rampe au circuit Red Bull. Pouvez-vous venir m'aider? Oh là là, il avait qu'à rouler moins vite, le vilain. Moi, je t'aurais dit d'aller à gauche, histoire d'essayer de voir si on pouvait pas retrouver l'autre, tu sais. De prendre la direction de fuite de l'autre. Gauche par là? Ouais. Là, tu vas tout droit, là. Droit à droite. Ah, ouais. On va essayer de voir si on peut pas retomber dessus. Il a fui par là. Donc, peut-être qu'avec un petit peu de chance, on peut peut-être retomber dessus, on sait pas. Recherche ton taser. Ah oui, c'est vrai. Attends, vas-y, arrête-toi, je vais rechercher le taser. Sauf si jamais ça dégénère, ce serait cool qu'on se fasse pas défoncer. Eh. Je le fais tout le temps, ma copine. On peut pas retirer le béret, j'ai chaud au-dessus du crâne. Vas-y, je vais mettre le capio dans le sac. Dans la voiture, c'est pas pratique en plus. Vu que je suis grand, y a pas de place pour mettre le capio dans la bagnole. Pourquoi j'ai pas que ça à mon i? C'est super ça. Ah. Je ne sais pas. Ah si, c'est bon. Ah, c'est peut-être l'inventaire de la bagnole, c'est peut-être pour ça. Yannio CKM, les gens, je sais que vous êtes en vacances. Vous en avez de la chance. Attention, attention. Vous et en oui. avez. Donc ouais, Pizzy Mix, j'ai vu. Taser est rechargé. T'as vu que tu l'as acheté par terre? Ouais, ouais. D'accord. T'es une trousse à outils, c'est rien. Ok. T'as rentré pas sinon. Trop chargé. Bon alors, à mon avis... Oh, ce serait stylé, tu sais, que la voiture soit abandonnée au milieu de l'eau, là. Ça aurait été tellement stylé. Fais gaffe. Oula. Je vais peut-être passer devant. Là. Attends, je vais passer devant. Non, mais attends, on passe pas du tout, même. Ah, c'est bon, faut attendre que l'autre retire. On a plus de moteur? Non, t'y passes pas, t'es fou. J'ai noyé le moteur. Bah ouais, c'était sûr. Donc toi, tu peux le conduire, mais pas moi. Non, mais mec, regarde, ça m'arrive au cul, limite, la flotte. Donc, du coup, la Clio, elle est bloquée, elle est pas loin, la Clio. Donc, toi, c'est à toi de conduire. On se met Alpha 2. Vas-y, je vais conduire. Ça veut dire que la Clio est pas loin. Vas-y. Donc la Clio est pas loin. Ça c'est cool. Ça m'a bugué mon jeu parce que j'entends plus du tout le moteur ni rien. Check. À mon avis, la Clio est... Ouais, affirmatif, sergent Jonas naît en patrouille Oscar. Je pense que la Clio est steak haché. 4 ICD quoi encore? C'est bizarre. Alors. Tu vois rien? Non, bah non, je cherche. Parce que si nous on a pas. Ah, peut-être que lui il y avait pas autant de flotte.
Ouais, c'est comme une espèce de marée. Ouais, c'est ça, bah c'est une marée, de toute façon, il y a des fois ça monte, après ça descend. Ça dépend, ça dépend. Oh bah là, laisse tomber pour la retrouver. Alors, est-ce qu'il y a un garage dans le coin ou pas? Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça. On est où? Bah, tu sais quoi, il y a un truc de contrôle en face, sinon on peut stationner ici 5 minutes. Vendeur de bateau police. Ouais. Merde, c'était pas du tout comme ça que je voulais faire en fait. Tu connaissais ici? Non. Regarde. Là, tu peux fermer la route et tu les fais passer par ici. Oh, c'est génial ici. Et là, tu vois, il y a des murs qui vont dans la jungle et t'as des barbelés. Donc les gars, ils sont... Soit ils font demi-tour, soit ils forcent et ils vont pas plus loin. Donc là, tu peux tout fermer et tu fais tout... Tout le monde passe par là, en fait. C'est propre, hein? Bien, bien, bien. C'est propre. Oh, toi, j'ai découvert ça en me baladant. Il y avait un sprinter qui était dans le mur, là. Ah non, je peux pas. Ouais, non, tu pourras pas conduire. Attention. Oh! Tu l'avais, la voiture rouge? Ouais, elle est où? Avance, avance. Moto rouge. Elle est où? L'est. Avance, avance. Ah, bouge pas. Bon, bah, avance ou bouge pas. Mais pas les deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas, tu te bloques la route, là. On contrôle? Non, non, vas-y, y'a rien fait. Donc, il descend du véhicule. Le petit troll de qualité, tu sais, le gars qui a rien à se reprocher, il sait pas ce qui se passe. On aurait pu faire un petit contrôle, mais bon, tant pis. T'es pas motivé, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon alors. Alors. Par contre, on peut s'arrêter au brassage de bière, ça me dérange pas. Vas-y, dis-moi où c'est, si tu veux, on peut aller faire un petit coucou. T'as pas le GPS? Non. Gauche. Non, c'est droite. Non, c'était gauche, c'est bien. C'est bon? Ouais. Non, c'était droite en fait. Demi-tour? Ouais, excuse-moi. C'est pas ta gauche, c'est ta droite toi aussi? Si, si, non, mais je savais que je. C'est ouais, après quand tu lis une carte, ouais, ouais, c'est pas. Faut te mettre dans la tête de celui qui conduit, c'est pas évident. Je crois que ce serait tellement. Bah, c'est là, regarde les grands bâtiments là. À gauche là? Les grands hangars là, l'espèce de. Avec ah, intéressant. Un civil se promène en voiture de police! What? On vient de m'envoyer le message à moi. Attends, je vais répondre. C'est à Axel. Rédigé. Attends, c'est intéressant ça. Où ça? Il y aura un civil en voiture de police. D'accord, bah je vais lancer Oscar. On est Alpha. Vas-y, ouais, on est Alpha. Oscar de Alpha. J'ai pas plus d'infos aussi, hein. Ce serait presque Kavala, un certain Axel qui me l'aurait dit. Oui, on vient de recevoir un message personnel comme quoi un civil se baladerait en voiture de police, donc message à prendre avec toute précaution. Ah, vous avez une situation géographique de l'individu? On n'a pas plus d'infos, donc si jamais vous voyez une voiture de gendarmerie, faites hésite, attention, on n'a pas plus d'informations. Caillou là qu'on a failli se taper. Qui est bien prêt. Ouais. Bizarre, bizarre. Il se dirige au sud de la map à Calamar. Et décollage de hôtel. Calamar, mec. Calamar. D'accord. Transmet. On va vers Calamar. Oscar de Alpha. Transmet Alpha 1. Ouais, pour information, apparemment l'individu dans la voiture de gendarmerie se baladerait vers Calamar au sud de la map. Ok, vas-y, bien pris. Patrouille hôtel de patrouille Oscar. On y va, on y va. On va mettre les petits gyros. Dirigez-vous vers Calamar. Un véhicule de gendarmerie. On va aller voir ça. Comment il est? Ça, c'est encore un gars qui a déco. Et puis il a laissé sa voiture, je sais pas où. Et l'autre, il est passé. Il a de la pique. Et puis voilà. Mais c'est autorisé, on est d'accord? Ouais, ouais, c'est autorisé. Bah, ouais, si la voiture abandonnée, ouais, c'est autorisé. Il avait qu'à. Le flic, il avait qu'à la ranger, tu vois. C'est juste, c'est pas autorisé si la voiture est au commissariat. Oui. Toi, t'as pas à rentrer dans le commissariat. Merde, je suis complètement paumé par contre. Oh merde, mec, oh, t'aurais dû me guider. Excuse-moi. Alors. On essaye d'aller à Calamar, mais je connais pas du tout cette région. Vas-y, je fais demi-tour. Je sais même pas où c'est Calamar. Bah, c'est la ville qui faisait tout bugger. Ah, la oui. Grosse ville du sud. Alors là, ça sera à gauche. Prochaine à gauche. Ok.
gauche, 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 voilà. Et la prochaine intersection à droite. Ok. Prochaine grosse intersection nationale. Hein. Ça marche. En avant. On fonce. Bon, ça ressemble plus à une départementale, ça. Oh là, qu'est-ce que c'est de ce petit lac, là. 200 km/h, attention. Attention, attention. Elle est bien, la BM. Tant de puissance, ouais, si, c'est cool. Elle est pas chitée. Là, c'est à droite. Ouais, droite. Elle est pas chitée, mais elle est agréable à conduire. Ouais, on tourne super bien, en plus, avec, ça fait plaisir. Voilà, et là, bah, tu suis la départementale. Et... Ok, on va arriver sur Calamar, du coup. Voilà. Essaye de contacter Axel, sinon, un civil. Pour essayer d'avoir des infos. Alors, Axel... Ouh. J'ai levé deux roues, là. Hugo, Axel, bienvenue. Rush, merci pour le follow. Axel, je sais pas quoi, il est tout en bas dans la liste. Ouais. Alors, rédiger... Je vais où, là? Gauche. Ah, pardon. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Ouais, par là. Oh, ouais, SMS. Parfait, il y a hôtel qui est sur place. Hôtel qui est sur place, normalement. Des fois, je trouve qu'elle a des réactions bizarres, mais en fait, quand je regarde à quelle vitesse je roule, c'est un peu logique, tu vois. À 180, c'est un peu normal que quand tu tournes, ça tourne pas de suite ou que tu perdes un peu le contrôle. Ok, on est dans le Calamar, là, non? Continue, continue sur la départementale. Ok. Donc, on n'a pas plus d'infos sur le modèle de la voiture qui a été volée. On sait même pas si c'est vrai. Ouais. Bon, je vais couper les gyros parce qu'il y a tous les coups. Oscar de Alpha 1, l'intention d'hôtel. Tous les coups, c'est une connerie, mais bon. On se met Alpha 1. C'est jamais. Ouais, est-ce que l'hôtel a plus d'informations quant au véhicule? Ça, non? Eh, c'est quoi ça? Non, c'est une voiture bleue, c'est une voiture négatif. Bleue. C'est pas la Clio bleue, justement, mec? Vas-y, on contrôle. Axel, malheureusement, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Voilà, bah s'il y a pas plus d'infos, on lâche. Annonce qu'on est en... Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule. Attends, immédiatement. On va voir si déjà il accepte ou pas. Ouais, il a l'air de 163 km/h, mais... Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule. Priorité immédiatement. Priorité, Oscar de Alpha, on a la course-poursuite d'une Clio bleue. Moto, ok, on s'en fout. Ouais, exactement, 163 km/h, Clio RS bleu. 163 km/h au lieu de 80. Une situation géographique, s'il vous plaît. Oui, on est sur la départementale de Calamar en direction de Cavala. Ici la gendarmerie. Bien pris, on arrive. Votre véhicule immédiatement. C'est quoi, couper votre véhicule? Couper votre... Ici la gendarmerie. Stoppez votre véhicule immédiatement. Ah, stoppez votre véhicule immédiatement. Vas-y, tant pis pour Axel, on n'a pas plus... Ouh, on n'a pas plus d'infos. Oh là, les gars, c'est chaud. C'est chaud, je suis très mauvais pilote en plus sur Arma 3. Alors il va falloir toute la concentration. Prends pas de risque, hein. Ouais. Il tourne. Ouais, mais j'essaye d'être derrière au moins, tu vois, parce que... Bah ouais. Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule. Il est à fond, là. J'ai l'impression qu'il est bridé, Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. Ah, c'est bon, hôtel est là. Parfait. Ah, c'est bon, hôtel, nous en... Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. Bon, maintenant, t'arrêtes de prendre des risques. Parfait. Station essence qui se fait encore braquer, mais on s'en fout, on est déjà occupé. Vas-y, je roule tranquille ou derrière, je dépasse pas trop. Y'a quoi au fond là? C'est une ligne droite? On est toujours à la poursuite de la Clio bleue, hôtel est au-dessus de nous, on prend moins de risques. Hein. Vas-y, on va attendre. Ok, bien pris, nous on se dirige sur le braquage station de service. Comment on va faire pour le stopper? On attend qu'il y ait un accident, s'il se plante pas, on fait quoi? Va falloir une autre équipe, hein. Ou alors faut qu'il aille dans ouais, la zone où il y a de la flotte. Alpha, on va avoir besoin d'un véhicule en renfort, hein. C'est les deux individus qui ont fait de braquage de tout à l'heure. Hein. Possiblement armé et dangereux. Ici la gendarmerie, stoppez votre véhicule immédiatement. Il veut me semer, le vilain. S'il roule à cette vitesse, c'est bon, c'est tranquille. Hein. Il veut me... Genre il a ralenti pour pas se faire flasher, c'est n'importe quoi. Ça se connecte un peu en gendarme là. Ah, j'ai mis les boules caisses, ça fera un peu bon bordel. Dirige Jonas. Ouais. Attention! Putain. Non, remonte, remonte, remonte! Vas-y. Ah, je pensais qu'on les avait là. Oh, la voiture n'a rien!
Vas-y, parfait, ils sont où vous là? Avance tout droit, tout droit. Et eux, ils ont abîmé leur voiture? Je sais pas, mais ils ont tapé. Tout droit. Ils ont tapé, ils ont tapé. Y'a Jonas qui est derrière, non? L'hélico, il est où? Il est toujours au-dessus. Vas-y, c'est bon, c'est tout droit. Parfait, on en a pas trop perdu. Oh putain, je pensais qu'ils étaient niqués, tu vois. Je me suis dit, je vais me mettre au cul, ils sont bloqués. Manque de bol, ils ont tapé, ils ont pu repartir. Je sais pas si leur bagnole a un souci aussi. Oui, c'est bon! Là, la voiture, elle est bloquée, non? Ah non, merde, l'eau, elle a baissé! La voiture, elle a rien, là. Ouais. Attends, j'arrive plus à avancer. C'est vrai? J'avance plus, j'ai plus de moteur. Oh non! Si! Si! Annonce, annonce, on a plus de bagnole. Essaye de conduire, mais moi, c'est fini, j'ai plus de bagnole. Véhicule HS moteur noyé. Oh, j'en étais sûr! Oh, t'es toujours derrière. Ouais, c'est tombé, je peux rien faire. J'ai de voir si je peux mettre... Attends, je descends. Oh, la loose. Et de te mettre... Peut-être que ça revient sur nous, non? Oh, ouais. La loose, les gens! Genre, eux, ils peuvent passer. Ok, donc la voiture bleue vient de causer un accident de la route. Une voiture sortie de la route, elle s'est pris un arbre, sûrement des blessés à l'intérieur. Ouais, mais nous, c'est... Position 05. Nous, on a plus de voiture, là. Il va nous falloir un renfort sur nous, là. Je sais pas ce qu'on peut faire, là. Bah là... On monte un conducteur pour bas. Non, attends, là. Et si on la détruit, la voiture, et qu'on la répare? Mais vas-y, tu peux toujours essayer. Je vais m'éloigner un petit peu. Bon les gens, ça se termine. Les gens, c'est la fin de cet épisode. Pour voir la suite, il faudra regarder la suite. Twitch, nous continuons. Nous étions sur monsieurasper.com, les gens, serveur Lingerlife pour nous rejoindre, monsieurasper.com. A tout de suite, fin d'épisode, on continue de suite.